nous sommes le jeudi 24, 24 août, deuxième jour à l'université. Ça a coupé. On va plus se concentrer, je disais donc, on va plus se concentrer sur Eyes of Adventure aujourd'hui. On va bientôt partir. Là aujourd'hui, je me suis plaqué les cheveux parce que vraiment la chaleur. Voilà. Cette nuit, on a dormi avec la clim, ça va, ça a été, on a réussi à la régler. Et puis ce soir, premier dodo à Disney, ça va être trop bien. Normalement, on aura le temps d'aller à Hollywood Studios ce soir, donc ça va être trop bien. Et demain, on a la soirée Halloween, donc ça va être incroyable. Oui, Halloween en août. Aux États-Unis, ça commence au mois d'août Halloween, donc ça va être incroyable. On vous embarque pour cette nouvelle journée très très chaude, encore une fois. Mais là, le deuxième parc, ça va être beaucoup plus d'attractions d'eau, tout ça, tout ça. Donc ça va être plutôt sympa. Donc allez, c'est parti pour la journée. Du coup, on est à Universal, on est au City Walk. Je suis moitié soleil, moitié ombre, écoutez, on fait avec. Du coup, on s'arrête d'avoir petit déjeuner. On a été chez Cinnabon, on repassera pas pour l'amabilité. Le mec, j'essaie de commander, il parle en même temps à sa collègue. C'était pas ouf. On a pris la même chose avec Léa, on a pris un cinnamon bacon, egg and cheese. Et après, on a pris un cinnamon roll sucré. Et en boisson, j'ai pris un cold brew vanilla. Ça fait la taille de ma tête. Est-ce que c'est beaucoup? Enfin, c'est sympa quoi. Le pain est bon. Il est 8h50. Il y a déjà 2 heures de queue, plus de 2 heures de queue à l'attraction d'Hagrid. Heureusement qu'on l'a fait hier. Je vais goûter ça. Oh, c'est bon. Le cinnamon roll sucré, il est beaucoup plus gros que les salés. Voilà, c'est pas mal. C'est un délire. La queue était super. La file d'attente était incroyable. Ça faisait flipper. Très très belle surprise. On l'a fait, il n'y avait que 10 minutes d'attente. Du coup, on a fait la file d'attente normale. Au cas où, si on veut le refaire en express, ce sera possible.
Alors, nous avons fait Jurassic Park. Alors, ils avaient annoncé 15 minutes de queue, on a littéralement fait, je pense, 5 minutes. Voilà, on a fait 5 minutes de queue, c'était très sympa. En fait, du coup, on a mis notre capote parce qu'on avait peur d'être très mouillé parce que Jurassic World, ça mouillait beaucoup. Et puis, en fait, on n'a pas été mouillé. Là, on va aller faire Popeye, je ne sais pas combien il fait, mais il fait très chaud. Mais il y a un petit vent. Donc en vrai ça passe. On va aller faire Popeye qui est une attraction, c'est des bouées. Mais par contre là ça mouille vraiment beaucoup, donc là on va mettre la capote. On pourrait se dire non mais on peut bien être mouillé et tout, il fait trop chaud, mais après genre t'es poisseuse et tout, c'est pas fou, il est que 10h du matin, j'ai pas envie d'être poisseuse toute la journée. Capote de A à Z, je crois que vous êtes fous, je crois que la caméra est sale, c'est pas grave. Ça servait à rien, nous sommes, j'ai les cheveux trempés, le visage, est-ce que mon maquillage a tenu? Too Faced, vraiment, et Sephora, je vous aime et bénéfice également. Rien n'a bougé alors que j'étais trempée, mais alors là par contre voilà, les dégâts, voilà, les chaussettes sont des éponges, et quel plaisir, voilà, si vous voulez être vraiment trempé, c'est l'attraction Popeye. Non, par contre, non, mais ça mouille vraiment énormément, et moi là, enfin, je suis trempée de partout, en fait, tout rentre. Vous avez quand même quelque chose pour mettre votre bagage, enfin, votre sac pour protéger, donc nous, là, ça va. Mais on est trempé. Bon, j'ai les pieds, c'est des éponges, enfin, les chaussures, c'est des éponges. Les machines pour se sécher c'est 7$, donc il en est hors de question. Et en fait je suis allée aux toilettes, mon liner est un peu parti, mais en même temps je me suis pris genre une grosse vague dans la gueule. Mais l'œil gauche est impeccable. La deuxième attraction d'eau qui est juste là, elle est pas ouverte. Donc on va avoir le temps de se sécher, on va faire Vélocicoaster. Comme ça on le fait avant de manger, comme ça on a peur une bonne fois pour toutes et c'est bon. Et c'est fini. Et après on va se diriger vers Harry Potter. On s'est dit que ce serait bien qu'on parte du parc vers 16h-17h. Parce que du coup ce matin on a laissé nos bagages à l'hôtel. Parce qu'en fait on était un peu dans le suspense de où mettre nos bagages. Et en fait juste avant de prendre la navette, genre 5 minutes avant, on a re-regardé sur internet et il disait qu'à Universal Studios ils ne prenaient pas les gros bagages. Je trouve ça un peu étonnant de la part d'un parc d'attraction de ne pas prendre les bagages des touristes. Enfin, on n'est pas les seuls dans cette situation, mais ça veut dire genre en gros bah si c'est comme nous, genre le jour où tu dois partir, en gros tes bagages t'en fais quoi, tu vois, et c'est pas tous les hôtels qui acceptent. Nous par chance la dame à la réception a accepté de les garder, donc ce soir on les récupère et puis on part à Disney World. Bon bah on a refait Vélocicoaster, on s'est encore bien chié dessus, mais en vrai là on s'est dit, enfin c'est vraiment ouais, on s'est amusé, on a beaucoup rigolé et tout, mais c'est en fait... Je compatis tellement fort. Non, c'est vraiment un coaster incroyable, genre... C'est vraiment ouf. Mais en fait, c'est juste que c'est vraiment impressionnant. Déjà, en fait, vous n'avez pas de harnais qui vous tient là, genre vous êtes juste nu au niveau de la taille. Donc c'est hyper impressionnant et en fait, les moments où vous avez la tête à l'envers, vous le sentez bien parce que vraiment, genre ça reste bien 2-3 secondes, vous avez le temps de le sentir. Mais sinon, mais c'est juste incroyable. Enfin, là, on a vraiment bien rigolé et tout. Voilà. Olia, elle a juste un peu mal à la tête. Bon, on va où? On va à Harry Potter, tu vois. Bon, bah, let's go. On fait Forbidden Journey. C'est bon, ça a ouvert? Oui. Ah, et bah, c'est parti pour Forbidden Journey. Ça va être trop bien. Une dernière fois. On a fait genre 5 minutes de queue, on a pris en express. Ensuite on s'est dit vas-y, soit on va manger, soit on regarde le temps d'attente pour Hagrid. À Hagrid il y avait 50 minutes. On s'est dit c'est maintenant ou jamais. On a fait 30 minutes d'attente. Donc c'était trop bien, on est trop contentes. C'était vraiment incroyable. On a eu presque peur d'avoir un petit bug, parce qu'à un moment ça n'a pas redémarré. Enfin ça a mis un peu de temps, mais c'était vraiment génial. Vraiment une des meilleures attractions. Là on va aller manger vers Jurassic Park. Il y a des trucs genre Rice Bowl, des trucs comme ça, donc on va les voir. Et puis ensuite, on va retourner dans l'autre parc, on va prendre le coup de l'Art Express.
Comme ça, on refera. Il y a de l'ambiance ici, dis donc. Et puis comme ça, on refera Gringotts, la momie, un peu de shopping et ciao. Qu'est-ce que t'as dit? Je me sens bien de manger quelque chose un peu plus équilibré. Enfin. Au bout du deuxième jour, on a déjà marre de la malbouffe. Et du coup, là, on mange dans la zone de Jurassic Park. En fait, c'est un service à table, mais abordable. Enfin, nous, ce qu'on a pris, c'était plus abordable. Le rice bowl, très clairement, il était à 17$ à peu près. On a quand même payé 41$ à deux. On a pris une coupe de fruits frais. Parce qu'on en a marre de manger du sucre. Moi, j'ai pris un rice bowl, donc avec du jambon, des haricots, il y a de la banane plantain et du riz. Et il y a un truc un peu relevé que je ne vais pas manger. Ce qui est bien, c'est que tout est pas, enfin, c'est pas mélangé. Du coup, c'est important. Alia, elle a pris du poulet avec... enfin, c'est une cuisse. Ouais, c'est une cuisse de poulet avec des patates, banane plantain, maïs et du jambon aussi. On va goûter un peu tout ça. Mmh. Ils sont pas bons. Ah ouais, ouais. Mmh. J'arrête de manger de la bouffe normale. Ça fait du bien. Ensuite, on va refaire la momie. Et puis bah, après, shopping. Et après, ciao bambino. Let's go Disney World. Ça y est, on a fait une dernière fois Gringotts. C'était absolument génial. Ce qu'on a remarqué, donc là, pour le coup, en fait, c'est deux wagons. Et là, nous, cette fois-ci, c'était la première fois qu'on était dans le deuxième wagon. Donc c'est en 3D tout ça. Et en fait, on a remarqué que du coup, bah, l'écran, parce qu'il y a des moments où vous retrouvez les wagons genre côte à côte. Et ce qui fait que normalement, quand les personnages genre, ils vous parlent, c'est censé genre vous regardez vous. Et en fait, peu importe sur le côté dans lequel vous êtes, c'est dans votre sens. Et c'est hyper bien fait en fait. Donc voilà. Vraiment une attraction incroyable. Donc là on a dit bye bye à Diagon Alley. Là nous allons faire la momie. On vient encore crier une bonne fois pour toutes. Ah, on n'est pas rentré là-dedans hier. Petit shopping et puis retour à l'hôtel pour récupérer les valises. Et ensuite, ciao bye. Let's go Disney World ensuite. On n'y croit pas. C'est très bien. On dit tout doucement au revoir au parc. On a passé deux trips de bouffe, c'était trop bien. Bon, on a fait nos derniers achats. C'est voilà. Sympa. C'était trop bien. C'était trop bien. Je suis triste. Hein. Ouais. C'est déjà passé trop vite deux jours. Mais oui. Putain, bah après on va à Disney. Voilà, ça y est. C'est fini. On a franchi. Ah, ça y est, c'est fini. Voilà. Dedans, dehors, je n'ai jamais vu Venise. Seuls les vrais auront la rêve. Les gars, on est arrivé à l'hôtel, on a dit c'était ouais.
Je suis surexcitée. On est en train d'acheter nos Magic Bands. Est-ce que je suis déjà en train d'acheter le lunch soleil d'Halloween? Absolument. Voilà, parce que j'ai acheté le jersey, n'oublions pas. La caste à l'accueil était trop mimiche. Elle s'appelle Jessica aussi. Ça fait deux Jessica. Notre Uber a été trop mignon. Elle s'appelait Jessica aussi. Oh non, il n'y a pas le Orange Bird. Oh, je vais pleurer. J'aurais dû l'acheter à l'aéroport. Je suis dégoûtée, il n'y a pas le Magic Band que je veux. Je suis vraiment surexcitée. Donc vous rentrez, j'en peux plus. Vous avez un petit frigo, il y a du café. Au début, je pensais qu'il y avait qu'un sachet de café, mais en fait, il fallait ouvrir le tiroir, ça, c'est pas facile. Il y a notre grand lit. En fait, ici, il y a un second lit, donc il prévoit en fonction, je pense, du nombre de personnes que vous êtes dans la chambre. Mais du coup, ce qui est cool, c'est qu'on a une petite table, le grand lit. Je vais laisser cette télé allumée avec la musique toute la soirée. Et la salle de bain, les gars. Mais la salle de bain, elle est incroyable. Regardez-moi comment c'est grand. On a une petite baignoire, donc ce qui est cool en plus c'est que bah on peut fermer, donc on peut et se maquiller et aller faire popo. C'est incroyable. Le miroir. Il y a la Bible. Est-ce que tu veux la Bible? Il y a la Bible. On est en Floride. Hein. Non mais c'est génial. Le miroir est incroyable pour me maquiller le matin, mais ça va être génial. Oh, les gars, on est à Disney. On va faire un tour, enfin de toute façon on va pas tarder à bouger. Puis les décors dehors sont incroyables. Là devant il y a le grand chapeau de Mickey et tout. Déjà quand la nana est en train d'expliquer, j'étais en effervescence là, je n'en pouvais plus. Donc voilà, j'ai acheté mon Loungefly. Le problème c'est que là j'ai vu plein de serre-têtes. Là je suis en... Faut que je redescende parce que du coup là je fais n'importe quoi. C'est trop bien. Et c'est pas de la moquette le sol. Non, ça c'est bien. Ça c'est bien, ça fait plaisir. On est en train de voir ce qu'on peut regarder à la télé dans la chambre. On peut voir les shows. Il y a même un petit mot de Josh D'Amaro, c'est très gentil. Qu'est-ce qui vient ? Je vais vider votre portefeuille pour moi. Merci de me donner ta moula. Eh ben écoute, si au moins on le voit pas, on peut le regarder à la télé. On passe sous le chapeau de Mickey. Mais regardez-moi ça. Et hop, le chapeau. Si vous avez vu Fantasia et que lui aussi vous a traumatisé, eh ben il est là. Et donc là il y a Casse-Noisette. Et là-bas il y a un petit soldat. La piscine elle est ouverte jusqu'à 11h du soir, donc c'est trop cool, on pourra aller se baigner avec le bar. Ce qui est trop cool c'est qu'en fait vous avez un food court dans l'hôtel et du coup vous pouvez aller prendre à manger et aller manger dans votre chambre. Si ça c'est pas génial. Voilà. C'est incroyable. Qu'on a fouillé, j'ai sonné. Ils ont pas trop su me dire quoi. Le mec, il suppose que c'est mon petit miroir qui est en métal dans mon sac. Ah, ça y est, on y est. Je suis surexcitée. J'ai envie de craquer là-dessus, les gars. Un petit Loungefly comme ça. C'est un petit oiseau qui est dans l'attraction.
Ma sœur le trouve hideux, je comprends absolument pas pourquoi, parce qu'il est absolument magnifique. Voilà. Alors, on a fait une heure d'attente du coup, au lieu de 70 minutes pour Mickey et Minnie, Runaway Railway. Tes impressions ? C'était super. C'est tout. Ah non, c'est génial, c'était super. C'était incroyable. Alors, on a eu peur d'être évacués parce que bon, ça s'est ralenti à certains moments quand même hein, de la file d'attente. On a un peu attendu. Il y a eu un bug. Il y a eu un bug. C'est là qu'on a eu très peur parce qu'ils ont commencé à dire ouais, voilà, on prend un petit peu de retard. Mais finalement, tout s'est très bien passé. On a fait moins d'attente que prévu, quoi qu'il arrive. Donc, ça, c'était cool. Voilà, mais l'attraction est juste magnifique. C'était trop bien. Bon, là, on craint un peu la dalle. On va où ? Bah, Toy Story Playland, mais je vois pas où. Bah là, il y a un petit panneau de Toy Story Land. On va aller au Woody Lunchbox dans le Toy Story Land, du coup. Clignoter un petit truc. C'est des petits endroits qu'on avait vu un peu sur le TikTok, tout ça, tout ça. Mais voilà, c'est Léa le Lunchline. Léa le Lunchline. Oh là là, je le veux. Oh, et celui d'à côté aussi. Oh là là, mais celui d'à côté n'existe plus. Ah, je veux tout acheter, mais je ne peux pas tout acheter. Eh, je vais vendre mes pieds, hein. J'ai besoin d'oseille là. Hein. Oh là 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 là, je vois le Land. Ah, on se faisait la remarque que la chanson, en fait, on avait l'impression de connaître l'attraction par cœur, tellement on l'a vue dans les vlogs, sur internet et tout. Et on avait vraiment l'impression de la connaître par cœur. Incroyable. Et là, je vois le Land Toy Story juste devant moi avec le coucher de soleil. C'est trop. La lumière est derrière moi. Incroyable, on fait Mickey Mini, ensuite on fait ça, mais c'est génial en une soirée. Là, le parc il va fermer et donc bah, là, du coup, il reste que 40. Le parc ferme dans 10 minutes, il y a seulement 40 minutes d'attente. Peut-être moins. Regarde quelle heure il est, Léa, s'il te plaît. Juste savoir combien on en est. 8h50. Ah, bah oui, putain, je suis con. Oh là là, c'est pas facile. Bah écoute, c'est trop bien. Je suis surexcitée, j'y crois pas. J'ai l'impression que c'est un prank et qu'on va venir me choper par le callback. Pour me dire tu n'es pas ici. C'est incroyable. C'était trop bien. Par contre, pas de chance. Dernier ride de la journée. Est-ce que c'est pour ça? On ne sait pas. On n'a pas eu un animatronics de Kylo Ren. Et du coup, on a eu genre le plan B, donc l'écran. Genre, c'est carrément autre chose. Mais du coup, là, c'était quand même très sympa de le refaire. Franchement, j'avais les yeux, j'étais émerveillée. C'était vraiment trop bien. Du coup, bah là, le parc est fermé. Donc on va tranquillement se diriger vers la sortie et essayer d'aller à Disney Springs, qui ferme à 23h, Disney Springs qui est 4 fois plus grand que notre Disney Village. Ouais, il est parti 1h30. Et alors ? C'est pas à 2h d'ici ? J'espère. Bah oui ! Donc bon, on va essayer d'aller à Disney Springs pour se balader un petit peu. Et puis ensuite on va rentrer tranquille, se décrasser, faire dodo et
Demain matin, on va pas rock drop Magic Kingdom parce qu'on reste jusqu'à minuit vu qu'on a la soirée Halloween. Mais on va quand même se lever tôt pour pouvoir réserver la file d'attente pour Tron. Et bien le bonsoir, mais 22h matin, finalement, changement de programme, pardon. Finalement, changement de programme, on n'est pas allé à Disney Springs. Mon petit sac pour demain. On n'a pas été à Disney Springs parce que bah, déjà, il n'y a pas de navette directe de Hollywood Studios pour y aller. Donc c'est un peu chiant, on va pas se mentir. Ou vu que là en plus c'était KO, bah c'est des vas-y, on rentre tranquille, comme ça voilà, on se décrase un petit peu tout ça. On a quand même fait une très grosse journée. Nous, je prépare mon petit sac pour demain. J'ai trop hâte de faire la soirée Halloween. Je vais mettre mes petites oreilles bien évidemment. Je vais prendre mon jersey avec moi. Pas pour le mettre bien évidemment parce qu'il va faire 35 degrés. Pour faire des petites photos, des choses comme ça. Là au moins ce qui est bien c'est qu'on peut bien s'installer dans la chambre et tout, genre vraiment s'éparpiller alors que bah, le premier hôtel c'était que deux nuits. Donc pas fou t'as vu. Je vous ai pas montré mes petits achats d'aujourd'hui. Attendez. Du coup moi Universal, je me suis fait un t-shirt de sport. Comme ça. Gris tout ça. On s'est pris des manettes avec Léa et j'ai craqué sur un t-shirt de Retour à le futur. J'étais obligée, ce qui était trop beau. Hop. Il est absolument somptueux. Voilà, je suis absolument très contente de cet achat. Ah, par contre, vraiment les Américains et l'écologie, c'est vraiment pas possible. C'est une fin de vlog, très grosse journée. On se retrouve demain pour la première grosse journée à Magic Kingdom du coup, avec la soirée Halloween en plus, ça va être trop trop bien. Je ne réalise vraiment pas que je suis là, c'est vraiment, j'ai des étoiles dans les yeux, je suis fin de vidéo, fin de vlog, merci de l'avoir regardé, on va avoir des souvenirs exceptionnels. Et puis bah bonne nuit, bonne journée comme d'hab, hein. Voilà, comme tu sais, et puis bah à demain pour une belle journée.